trouve, elle a 3 ans, elle trouve absolument normal qu'on achète ce qui nous manque. Et que tout soit achetable, enfin presque tout, elle dit c'est pas grave, on va l'acheter. Ça tombe. Il est vraiment bien habillé pour un cheval. Je raconte l'histoire, elle connaît l'histoire. Après, c'est la facilité. Bah, c'est les sacs. Alors, c'est qu'elle soit à Fumban en situation, à Fumban, donc dans le pays de son père, en situation de regarder et d'acquérir, en situation de comprendre. Et consommer une partie de ce qu'elle aime, mais sans entrer véritablement. Attends, chérie, ne touche pas. On ne touche pas. On touche avec les yeux, pas avec les mains. Et aussi, ils ont des chapeaux de noir. Un chapeau de joli, la sorcière. You don't get me yet. Don't get me yet. Don't get me yet. Me yet. Oh, Vera. Je devrais dire merci. Que j'ai fait mes études secondaires à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, donc complètement en dehors du royaume Bamoun. Puis à Paris, Yaoundé est tout autant étrange, presque tout autant étrange pour un Bamoun que ne l'est Paris pour un Bamoun. C'est très gentil. Elle n'avait pas de chapeau de sorcière, elle avait des cheveux noirs. Et des couleurs sur les cheveux. Ça peut paraître, je ne sais pas. J'ai inventé. J'ai gardé l'histoire avec. Et donc, je me suis. Et après, ce matin, un épouvant. C'est envolé la robe de la princesse. Elle voyait pas que tout n'était pas très joli, mais. Elle continue à faire de beaux progrès. Ah oui? Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une fouille archéologique, parce qu'à l'époque, nous étions étudiants. Dans ce type de rencontre comme ça, où les gens viennent d'un peu partout, on ressent le besoin de reconstituer une sorte d'affinité. Et l'affinité que j'ai trouvée, moi, dans cette profusion de diversité, c'était une Parisienne, parce que je venais moi-même de Paris. Et voilà, et de Parisiens, il se trouvait que nous venions de la même université. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, et 1, 1, go, et 1, 1, et 1, 1, et 1, 1.